Oh. Ce serait-il pas une petite nouvelle vidéo sur YouTube, ça? Maintenant que j'ai le temps, en fait. Parce qu'avant, j'ai été vraiment plongé dans les études à fond. Du coup, j'avais pas trop le temps pour YouTube. Donc maintenant, on reprend tranquillement avec un premier vlog. On va retrouver Mathis pour faire des photos à l'argentique. Bonjour, enchanté, moi c'est Dimitri. Est-ce que t'es mal à l'aise? Oui. Donc c'est parti à... L'Impérial. Voilà, donc on va shoot là-bas. Let's go. Du coup, on est à l'hôtel. Regardez comment c'est beau. C'est mignon, hein. Et du coup, il y a la Ventador là. Et il y a la Féfé au-dessus. Donc on va prendre en photo les deux. C'est ça, c'est un petit Konica A4, boîtier de 1989 je crois, si je ne me trompe pas. Et du coup aujourd'hui j'aurai ça comme pellicule, une Kinsensia 200. Voici un Nikon FM2, regardez comment il est mignon, tout neuf, acheté en Thaïlande, voilà. T'as quoi comme pellicule? J'en ai aucune idée. C'est une pellicule thaïlandaise qui est beaucoup plus épaisse que la normale et du coup ça fait un style plus cinématographique. Hop, voilà. Voilà, on l'ouvre et on met la pellicule dedans. Et voilà, et après on l'allume et on est parti. Allez, c'est parti. On va shoot. Photos devant. Oh, je suis mitigé. J'ai perdu là. Du coup, c'est quoi ton objectif de shot là? Je sais pas. Je vais voir. Mais on pourra pas le faire parce qu'il n'a pas d'objectif interchangeable. Moi, je suis au 35. Et moi, j'ai que un 50. Et toi, t'as que un 50. Waouh, ouais, c'est bien. Je pense qu'en vrai tu peux mettre, tu vois, ça au bouquet, au premier plan. J'étais en train de dire ça. Ça peut être dinguerie, mais faut se mettre, tu vois, derrière maintenant. T'en fais une verticale ici là. Je pense que c'est trop bien. Mange des plantes. Il mange des plantes et fait des photos, c'est incroyable. Hello, moi c'est Antoine du montage, je me suis aperçu qu'il manquait des plans et que ça avait aucun sens, et du coup pour vous clarifier un peu la situation, donc là il y avait un plan de Mathis dans les fourrés, juste avant, après on a commencé à tourner un petit peu autour des deux voitures, que ce soit la Ferrari ou la Lamborghini, et puis on s'est dit en fait, on aimerait avoir un angle de vue que personne n'a, et donc on s'est dit bah on va essayer de monter sur l'hôtel pour avoir une vue plongeante sur les voitures, et du coup on est rentré dans l'hôtel. Et en fait l'accès était fermé quoi. Du coup bah dommage. On s'est dit bah en vrai on peut peut-être demander s'ils peuvent pas nous l'ouvrir. C'est possible de monter en haut sur la terrasse pour faire des photos de la voiture. Les gars super sympa. Mais par contre en fait c'était des chambres. Donc vu que c'était des chambres on pouvait pas y avoir accès. Et du coup on n'a pas pu prendre nos photos d'en haut, nos petits top shots. C'est comme ça. Dommage. Ah ça. Tu as oublié le cash, Mathis. Antoine, il y a un autre problème, je crois. Tu l'as mis à l'envers, Mathis. Pareil. T'as vu un petit là en vrai de là-haut, une petite photo à l'argentique entre les arbres comme la dernière fois. On essaye, tu l'attends? J'attends la compte. Allez, let's go à l'argentique. C'est important les amis, retenez hein.
Le soleil. Le soleil, l'ombre, ça rend... l'ombre et la lumière. Les exactement. Ici, juste devant moi, une petite photo en verticale. Et là, derrière aussi... Du coup, j'ai fait une photo de l'église juste là derrière, et une photo de l'autre qui est là. Alors, du coup, t'as pris cette petite photo là ? T'as cadré comment à peu près ? Pas comme ça. Comme ça là ? Avec deux ans, ça, ça, c'est comme ça la polygrine. Ok. C'est la fin du vlog. C'est énergivore. Hein. Ah ouais, on n'en peut plus là. On a marché au moins 10 minutes. Et attends, attention. Mais donc voilà, c'est la fin de ce vlog. C'était bien sympa. Merci Mathis. Tu vas voir ta chaîne YouTube bientôt. Oui. Et tu vas mettre des petits vlogs dessus aussi. Petits vlogs, petits tutos peut-être. Petits courts-métrages, qui sont déjà dessus d'ailleurs. Ouais, exactement. Donc allez voir. Il y aura la chaîne en description normalement. Je suis content de reprendre YouTube. Et toi ? Moi aussi. J'ai jamais commencé. Mais c'est pas grave. Et du coup, bah, à la prochaine. Bisous.